Absolument, parce que là, ça, c'est mon deuxième mandat de préfet.
Donc, Patrick Meillon, dernier mot. Monsieur, ma première c'est Alex, ma première c'est Panel. Et moi-même, je pense qu'en tant qu'Haïtien. Un peu plus fort, attention, pas des plus près micro. En tant qu'Haïtien, il faut nous garder qui est capable de nous croire pour Haïti. Parce que c'est Haïtien, on est. Et nous faisons pour nous, et quel que soit ça qui passe, il faut nous travailler avec tout le monde, comment nous Haïti, c'est une question. Et dernier commentaire, ça m'a peur, il faut dire que tout va passer bien, le compte est ballon. Que deux financeurs. Avant d'aller, maman de nous trois, est-ce que nous pensons qu'il y a fini à soi ou il n'y a pas fini à soi? D'après calcul, nous trois, c'est la dernière question. Définitivement, il n'y a pas fini à soi. Et j'en dis auparavant, nous allons attendre pour deux, trois jours avant que nous connaissions le résultat final. C'est partagé. Je ne ça, parce que il va financer, parce que j'ai tout le détaillé, pour le gouvernement au calme, ça veut dire que ça finance rien, mais il peut se faire demain ou bien après demain le capital. Voilà. Merci à Eddy Altiné, merci à Ernst Fanor et merci également à Patrick Meillon. Trois mousseurs qui t'ont fait dernier commentaire pour nous. Mais on connaît nous-mêmes, mes gars, nous pas qu'à camper, nous avons continué. Et bien là, encore nous parler Orlando, côté nous allons rejoindre. Yves Samuel Dorville, dis-nous sans penser jusqu'à présent. Aïe, 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 M. Julie, excusez-moi, et me faire un mauvais et manœuvre. Et Yves Samuel Dorville, excusez-moi, pas de doué. C'est ça me le peser, me peser au mauvais bouton, excusez-moi. Donc, je vais laisser Wassim Kageta re-aider encore. Et Yves Samuel Dorville qui lui-même commentait avec nous tout après-midi. Hein, et Liban nous toute ça le pensée de l'élection ça. Alors, nous allons rejoindre encore. S'il est pour nous, nous sommes bien contents si nous rejoignons encore. D'accord, j'espérais que peut-être la PCO rejoigne encore. Donc, ouais, trois mouns, yo dit, pour yo, yo pas quoi élection fait à soi, et m'y est pas bail, résultat bail à soi, m'y connaît que, il y a plus de monde en Haïti et qui a commencé par fatiguer et parce que qu'on y a la traversée sous 10h38, 10h infraction. Donc, on n'est pas étonné si toutefois que le résultat n'a pas tombé à soir. Alors, nous avons toute une équipe qui a travaillé avec nous depuis toute la journée, hein, tout hier soir et toute une série de l'autre encore. Nous saluons pour nous regarder nous sur Facebook également. Qui t'a gardé l'élection ça. Hein? Et donc, t'as essayé pour la dernière fois, essayer de rejoindre Yves Samuel Dorville. Nous pourrons regarder encore si monsieur toujours disponible. Jean fait ça pour nous depuis deux jours. N'a pas gardé celui-là. Alors, si les auditeurs qui ont regardé sur Facebook, nous disons que, eh bien, partagez avec nous. Nous pourrons regarder Yves Samuel Dorville. Nous avons besoin de rejoindre là. Yves. Alex. Oui. Yves, dis-nous, vous pensez résultat bas à soi ou pas bas à soi? Non, négatif. Négatif, ça veut dire quoi? Il n'est pas bas à soi? Non. Parce que, on connaît, à cause de la situation pandémique, là, en Afrique de Pennsylvania, par exemple, voiture ce matin, ils ont commencé à compter. Parce que d'après la loi, c'est. Seulement dans le jour d'élection, je dois compter. Et pour qu'on ait, il y a plus de monde qui votait par en absentie. Ensuite, en novembre, dans l'État Wisconsin qui tout prêt, c'est presque le même bas, parce que Wisconsin gagne ça, il y a un spike en question coronavirus, qui vient la cause que les gens utilisent ballot tout, ils voient ballot aller. Donc, ballot qui prend le temps pour compter. Michigan, pas le temps. Il y a un bon autre state qui peut comparer. Si vous regardez bien, genre, situation à développer là, au cas où, même notre Carolina, qui gagnait petit bagage toujours. Ça ne veut pas dire que dans notre champ, on peut gagner notre Carolina. Et même lorsque la République a gagné notre Carolina, il y a une bonne possibilité toujours qui était dans le map là, parce que map ça, on a regardé là, qui gagne Pennsylvania, Wisconsin, ensuite avec Michigan, là, on a remporté au moins deux là-dedans. S'il remportait deux là-dedans, il y a pour la chercher l'autre petit électoral vote encore dans l'autre état. Par exemple, Nevada, il faut aller en petit bail là, il faut aller chercher tout le Maine. Donc, bon, bonne possibilité, mais je ne sais pas ce là, on a connu qui est-ce qui peut aller dans le White House là, en janvier 4 là.
Alors, j'ai l'impression que toute l'équipe a commencé à trouver que il n'y avait pas de gros résultats qui ont tombé. Nous avons dit, pour le moment, Rodrigue Pabvi, non, ni Jatou, ils ont tout le studio. Et nous avons gardé. Donc, maintenant, qui projection d'après vous? Qui projection que vous avez fait à partir de jeudi? Deux, trois jours. Et maintenant, comment est la tendance là taille? Il est difficile. Et j'ai encore dit, tout close to call. Bon, nous essayons de mettre Texas pour République, nous mettons Florida, nous mettons Tanko Georgia, nous sommes capables peut-être de mettre Iowa tout. Vous comptez combien vous gagnez? Vous gagnez 208. Nous mettons Alaska pour vous tout, parce que c'est toujours possible. Alaska, ça fait 211. Nous mettons Montana pour vous, ça fait 214 que République vous gagnez. Kounya là, si vous gagnez par exemple Ohio, Ohio, nous mettons Ohio pour vous, ça fait 232. Il y a still besoin de gagner Pennsylvania ou bien Wisconsin. Deux états sont extrêmement difficiles, on a parlé là, pour que le président Trump l'emporte. Si vous regardez bien, à nous c'est pour Yuna d'ailleurs, à nous parler Pennsylvania, il y a 252. Si vraiment il l'emporte North Carolina, il y a 267. Ouais, ça veut dire bataille à compliquer Alex. Ouais, je veux dire, Marcel, je dirais ni match la 8. Vous dites que c'est un jour match la 8. Parce que si nous continuons, nous mettons dans la même colonne des polio qui sortit depuis n'importe 2-3 mois, on dit que dans Wisconsin, Joe Biden, vraiment, il devant, il y a une belle avance, c'est pas Florida, c'est pas la même composition démographique. Wisconsin, nous pas capable de républicain le pour le moment, jamais. Michigan, tout c'est un état que nous capables de dire républicain au Canada. Donc si Joe Biden came ni Wisconsin, ni Michigan, il a dit que Joe Biden est capable de président. Parce que Minnesota est censé abriter la main. Virginia, qui sont des états qui ont aussi un problème là, tout, sont des états qui ne peuvent pas connaître. Si peut-être Virginia a joué un républicain, bon, Virginia, c'est Alex et Demansam, Virginia, c'est trois collèges électoraux. Marcel Gélon, là, bon, moi, il y a un résultat à tomber là. Il aurait été celui-là, on dit qu'il y a plusieurs résultats à tomber là avec Jacques Casserol. Ça a tombé comme ça? Ah, nous, c'est de l'État américain là que Donald Trump gagne. Donc, bon, c'est des États qui habituent évidemment à voter républicain. Donc, ça fait que je remonte nos résultats sérieusement là. Et, mais toujours est à côté, nous, mais un résultat. Iowa 6, il y a deux balles près. Iowa? Non, pourquoi on gagne projection pour Iowa? Ah, les deux vont tout simplement, parce que 25% de voitures seulement qui comptaient, donc c'est, et nous gagnons le temps toujours. Mais, on dit, genre, inquiétant, pour le monde qui pensait que Joe Biden est capable d'avoir l'élection facilement, donc c'est presque pas le cas. Et il semblait qu'il y ait des difficultés hein, et pour M. Gay, c'est ça, Jacques, on peut passer ça tout. Virginia a 13 votes. Si toutefois Joe Biden, dans notre temps, a remporté Virginia, il gagne. Alex Libon est toujours, mais de temps en temps, vous remarquez que Gap Lab fermé, possibilité gagnée, Joe Biden a diminué. Il diminue aussi, voilà, le chien que soirée a continué. Mm-hmm. Et peut-être d'ici, peut-être avant minuit, on a bien peut-être une meilleure lecture de qui est-ce qui a occupé White House le 21 janvier. Parce que conseiller de l'État, vous pensez que justement, monsieur est supposé gagner avec un plus gros écart, donc que vous êtes capable de déterminer aucune projection, et vous n'êtes capable aucune projection là-dedans. Donc vraiment, il est très étroit. Donc c'est pas, ça va pas être trop gros espoir. Mais quand même, il est en bataille. Donc c'est des calculs, mais moi-même, et personnellement, m'étonner de performance Trump pour Jean et de comprendre que l'élection t'a dessiné. Une question que j'avais dit sur ça, si nous permettons, vous pensez que on m'a vraiment dit depuis combien de temps, ça empire le monde reprocher Trump. C'est ça, puis le monde d'un jour révèle en Trump, mais il y a hypocrite, il n'y a pas de deal. Il y a un pile américain qui, à mon avis,
paralysis à Trump à faire, à mon avis. Et moun sa yo, c'est moun yo qui pavle, pour yo jouer ce que yo est en politique, politiquement correct, yo propose ça, en bon cœur, t'as dit hypocrite. Sans être Trump, il y a ce qu'on s'est repensé. Et je crois que, d'après moi, c'est là, peut-être, qu'il a découvert la vraie face cachée de l'hypocrisie au sein du monde. J'ai un pensée à qui pensait même Javel. Alex, je peut-être aller, pas exactement la même direction avant, mais depuis la première, il y a un bon remarqué que c'est que tout le monde pensait que. Mettez un monde qui est intransigeant ou soit un monde qui est agressif, même avec Trump, par exemple, un homme comme Bloomberg qui est venu, qui sont New York et pareil, un homme comme Bernie Sanders qui a un caractère, qui a une détermination pour changer réellement le cours de l'Amérique, on va remarquer qu'il y a une barrière de la route. On va remarquer qu'un corps établissement là, lui-même, puisque que Donald Trump, que Biden, c'est ça qui est important pour les intérêts, que nous comptons tous les deux cas des fonds intérêts, tandis que, avec mon monde de Bernie Sanders, il a remarqué que l'intérêt est très menacé et sous-gagné, ou a remarqué encore que peut-être avantage Donald Trump qui est dit dès le début que les chers pour le truc, c'est parce qu'il a remarqué que les papes gagnaient autant de fanatistes devant avec Joe Biden, village Joe Biden, vous monde qui compte Joe Biden, monde qui aime, comparé avec la jeunesse qui t'a marché derrière Bernie Sanders. Jeunesse qui t'a marché derrière Bernie Sanders, c'est lui qui fait Black Lives Matter, c'est lui qui occupait les rues des États-Unis pendant les derniers mois qui se passaient là. Et vous remarquez que l'a occupé lui, c'est pas pour dire là qu'il est matin, il a fait semaine, il y a une bonne manifestation. Donc, groupe ça, c'était un groupe que peut-être il n'y a pas voulu du tout, parce que groupe ça n'a pas créé trop de problèmes à Donald Trump, il n'a pas créé trop de problèmes à l'Amérique, puisque son changement qu'il a demandé, que un peu le monde trouvait confortable, je regarde, l'espace que il a quitté à Joe Biden, c'est peut-être encore pour faciliter Donald Trump, puisque quand il n'y a pas si on a regardé, vous remarquez que pendant tout l'année qui s'est passé là, plus pour montrer que vous parlez de Donald Trump, que vous montrez que vous comment faire une élection pour remarquer qu'il y a toutefois ça. Donc, quelque part, comme vous avez dit tout à l'heure, une hypocrisie dans le système, une hypocrisie dans la société. Très souvent, que faut une occasion présentée, et puis pour vous-même, vous voyez là, qu'à faire conclusion que. Ici, aux États-Unis, il y a un parti. Il y a le blanc, et puis après ça, il y a le reste. Il y a une situation très compliquée. On va dire qu'il y a un planning démocrate, mais quand même, il y a une inquiétude au moment où on parle de là. Donc, c'est vrai que. Les démocrates et les républicains, c'est pas même monde, il y a des fois. Oui, mais non. Mais quand même, il y a deux partis. Qui est en présence dans l'élection à soi quand même. Donc on comprend une considération sociologique pour eux. Mais politiquement, on est d'accord avec même que il y a quand même des démocrates et républicains qui sont en face là à soi. Et Donald Trump, lui-même là, dans le résultat qui a baillé là actuellement, il performait plus que le monde te comprend qu'il peut performer. Donc, on va remarquer tout, et même si elle nous a dit que nous avons eu l'élection, elle est arrivée à nouveau et pour décider dans Arizona, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin. Donc, c'est toujours vrai. Ouais, ouais, non, mais il y a eu l'ABC. Il y a eu la Floride, il y a eu Virginia. Donc, Biden fait l'Illinois là. Calais, comment Californie, parce que Californie toujours pareil. Jean-Philippe Beaulieu, Californie, comment ça va? Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas aucun résultat parce que il y a là, il a 7h49, il a quitté pour l'Union ouverte jusqu'à 8h. Donc, d'autres termes, Californie a beaucoup fermé, mais il y a votre livre. Non, il n'y a pas beaucoup fermé, il dit à 8h du soir. Ok. Donc à 8h du soir, là, ça à 11h, la côte est États-Unis.
D'après moi-même, 30 minutes après 8 heures, nous avons commencé à voir qui côté l'État de Californie a voté. Donc, les 78 là. Vous pensez qu'il y a une question pour Californie? Parce que Californie va voter l'autre côté. Non, mais n'oublie pas. L'État de Californie est toujours démocrate. Mm-hmm. À cause de qu'on est Hollywood, un pays libéral, qui est dans l'État. Mais alors, le NAP garde l'élection en État. Et m'a regardé l'ouest et ça, c'est très choquant. Parce que selon l'ouest, Trump, il prend sur la police, ce qui veut dire pour moi, d'après mon opinion, les États-Unis sont officiellement divisés. Est-ce que c'est ou bien Covid là, ou bien son problème de libéral avec conservatif, ou bien américain, ou non, parce que ça, son là, c'est très, très, très. C'est à faire une very interesting. Chant que moi et Taïo a dévoilé. Alors, il y a plusieurs mots qui ont dit que vrai face cachée, États-Unis, ou du moins citoyens, révélé au grand jour aujourd'hui. Est-ce que tu as dit ça tout? Oh non, mais c'est exactement ça. Parce que n'oubliez pas, Amérique, ici, nous avons 45 ans dans le pays. Pour travailler, nous sommes hommes d'affaires. Et Américain, lors de vol, il est toujours mon bon, comme si que il traite ma bavard. Et puis après, vous tendez, lors de mon pas, je dis comme ça, c'est ah, c'est d'accord, je tendez, vous avez parlé moi. Donc, on va être grandi avec ici, c'est tout ça. Et je n'ai pas étonné de la façon que le résultat a dévoilé, parce que et, ça te, c'est ça. Et, au contraire, j'ai toujours dit depuis les 4 ans, trop, à démasquer l'Américain. Parce qu'avec 4 ans de dans notre spectre passé, le travail que moi, M. Fer, M. Retiré, toute hypocrisie. Donc, M. c'est Jean le passé, le baoul. Voilà. Voilà. Oui. Alors, Yves Samuel, ou commentaire? Bon, d'accord un peu dans la question de l'hypocrisie. Au capable, j'ai un résultat, regardez, on m'a réfléchi au point que Américains ont des besoins qui t'en courent, qui t'en courent, qui sont solides, qui apprennent, mais gagnent tout, il s'arrête de risk card, tout qui a joué là, tout, il y a pile et machination, tout qui fait pas élection, ça, au bout col. Donc, nous capables de dire tout que. Et Amérique nous vient là, il va changer parce que regarde les résultats. C'est des résultats qui partent comme si on avait une fricale parce que quand il nous pensait qu'on allait arriver là. Mais cependant, nous voyons que la vraie face cachée, c'est que l'Américain est plus campé d'un petit cobli, de lui cobli en même, il va bien qu'on ait des droits protégés comme là, et c'est tout ce capable pour faire cobli multiplier, mais la vraie. Donc son pays qui est Jean-Miet a dit tout à l'heure. T'as parlé de Zami Kapwa, son pays qui plaît matérialiste. Ça veut dire que nous sommes vraiment compté la question de l'argent. Donc on est capable de ça, la question de l'élection. Tout le monde pensait que Trump s'en sauverait pour l'économie. Et pourtant, on peut économiser ça, c'est le démocrate qui quitte le bail Trump. Donc, vraiment une hypocrisie hein, que nous avons voté Trump. On va demander, OK, qui raison régime, qui fait nous avons voté Trump comme ça, malgré ce faille, un président qui dit que. Nous connaissons depuis en janvier, fin janvier, on commence en février, que c'est une maladie qui est très dangereuse, et mais nous display down. Malgré ça, on voit que l'hôtel, on va poser des questions, est-ce que nous avons bien la tête, ou bien, mais peut-être ça, après quelques mois, on n'a pas compris, ok, qui raison qui fait les Américains voter par notre Trump encore une fois, parce que le vote que nous s'était reçu au Royaume a augmenté là. Parce que gagner ça a un high turnout, ou capable d'observer. Donc, au lieu de combien nous avons gagné 62 984 825 voix, eh bien, probablement, nous avons gagné plus que ça. Parce que les Américains, ils semblent plus confortables en président, comme ça. Oui, alors, évidemment, tout ça, nous avons dit au conditionnel, parce que pour gagner qui est définitif, là, gagner, de l'autre côté, encore à l'aise. Et pourquoi que l'assassin, c'est là, évidemment, si toutefois nous estimons que l'élection, hein, Jacques, Rodrigue, Alex, Christian et Eric qui est avec nous là, parce que toute l'équipe qui travaille dans les coulisses,
si l'estime va finir, donc autant dire que n'a pas voir le ballon. N'a pas plié le bagage. Ouais. Alex, ça va nous plier le bagage. Vous remarquez que me fait depuis plus de 24 heures, c'est vrai que m'a regardé nos élections, nous respecter sa résultat. Mais pour qui ça, président Donald Trump, qu'on a une possibilité pour gagner l'élection, les populaires, les tout ça, etc. Il fait tout le jeu de sécurité, il prend tout le jeu de sécurité ça, autour de White House, pendant que si c'est où le peuple a voté, si c'est où le peuple a voulu, pour qui raison pour barricader corps, pour qui raison pour mettre toute sécurité ça. Quelque part, il y a un bagage qui n'est pas correct, là. Il y a un bagage qui n'est pas reflété réellement. Est-ce que l'élection a reflété réellement le choix du peuple américain? Je doute un peu et j'ai l'impression que, il y a quelques jours, m'attendais des résultats qui allaient dans la côte et que le Parti démocrate prend le même challenge. Il parle de l'élection volée depuis combien de temps qu'il y a? Pour ça, moi qui votais, pour ça que je suis depuis combien de temps dans la télévision, ça passait toute quantité de problèmes qui gagnent. Problème COVID-19, problème moun bapta la service, problème moun yapture dans la rue, à tout bouchant, pour n'importe qui bagaille, quantité de protestations qui fait. Et puis, je viens pour ta gagne toute voix populaire, ça y est. Doutez fort de résultats, ça m'a gardé là, Alex. Ouais. Bon, alors, maintenant, ça m'a même dit que je vais répéter la soirée. Bon, vérité des États-Unis d'Amérique qui éclatait au grand jour pour une vraie phase, vrai visage en pile monde. Et ici, aux États-Unis, peut-être, même pour moi, ça me gagne comme conclusion. Vrai visage, je viens d'exposer. D'accord, plus en pile monde que définitivement nous gagnons au monde, la White House. Qui sait un gambler et qui compte très bien comment préparer un événement, l'Europe fait un bagage qui j'ai qu'on fait. Nous comptons que nous en Haïti, l'Europe nous marche, nous avons appris les barres volées, qui est béni, parce que voler, ce n'est pas de voler, c'est le monde qui a passé devant là qui volait, parce que c'est lui qui a les barres volées en premier, c'est lui pour qu'il vient, parce que c'est voler avec la tête, mais nous m'en mettons aussi bien que Trump, qui ne doit pas bagaille, mais. Allons dire que peut-être, dans toute panoplie de monde que démocrate a gagné, Biden n'a pas été comme un bon gentleman, souverain, etc., etc. Mais monsieur, Trump, il y a 4 différences à monsieur, mais Trump, par exemple, tellement saute, s'il paraît qu'il va être l'Amérique, mais jouer le cowboy, l'homme fort. Et est-ce voilà. que Trump, dans voilà. ça, papy symboliser l'Amérique dans le sens que Joe Biden, est-ce que peut-être choix démocratique t'es peut-être correct? Mais Alex, vous avez une élection, l'enfant est au pays pour lui. 227 000 mouns mourus dans moins de un an. Peut-être Sandaï l'obligeance ou bien. Donc vous êtes d'aime au nom, et puis malgré ça, où est le supporter en sérieux, Alex? Alors, sérieux. Monsieur Marco, parce que tout le monde va, vous supportez. Sérieux. Monsieur, vous économisez, vous jouez que Obama a commencé le travail, qui t'a marché très bien. Lui prend crédit pour lui, mais je dis qu'il a un niveau que lui a. Tout le monde l'a misé, tout le monde l'a grand goût, je dis. Malgré ça, il a voté pour lui. Alors, qui ça l'a même voté? La vérité toujours voté l'économie, la vérité toujours voté santé, la vérité toujours voté au bien-être. Ah oui, mais j'ai un bien-être. Ben, bien-être, là, puisque monsieur John héritage ou va qu'il continue pas de mieux caser donc il y a avantage en matière économique là il y a avantage pas oublier que n'était-ce pas la COVID jamais élection à cette là on pas gagner avec grande majorité parce que le vote de Trump c'est pas un vote pour Trump c'est le vote de l'américain. N'oublie pas, les États-Unis d'Amérique, c'est le seul pays, lors de Drop Dealer, Mass Murderer, ils ont écrit livre sur vous, ils ont fait movie sur vous, tout ça et ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous dit que Trump a démasqué la figure américaine. Il retirait l'hypocrisie que l'Américain était comme caché. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, où est que, avec tous les problèmes que le pays est en train d'affronter, où est que
toujours une grande majorité qui campait avec. Même moi, le dernier temps là, c'est pas ni un ni deux livres qui sorti exactement la dernière fin mandat de Donald Trump. Là, surtout pour exactement pour permettre nous gagner une vraie claire idée de qui est son ami. Ça y est, malgré ça, vous votez. Si que vous-même avez voté les gens que m'a regardé le résultat et Michel Abay là, c'est que c'est pas plus chez ça. Il faut dire à tout le monde, pas que Pavel dit que tu vas gagner l'élection tout de suite. Non, mais son performance que nous n'avons pas espéré qu'elle t'a fait, so far. Donc, il y a une grande inquiétude, et maintenant, nous marquons, il commence à prendre fini, mais toujours est-il que Joe Biden nous joue la bataille, il y a des états que les résultats ont venu déterminer. On projection. Il y a lieu en Californie, c'est Californie, 55 électoral vote, bon, c'était prévisible. Californie fait voter. Mais Californie finit là. Californie fait voter. Washington, c'est où avec 12 électoral votes. Oregon. Oregon avec 7. Ça fait mal combien? Par contre, Joe Biden, Wyoming, Idaho, 4, d'accord, ok. Ok, 192 pour Joe Biden, 108. 192 pour Joe Biden, 108 pour Trump. Donald Trump. Oui, mais où est Texas qui va venir avec presque 38? Où est la Floride qui va venir avec 29? Ça fait 38 et 29, ça fait 63, 67. Quand tu deviens 23, ça fait 67. Donc, déjà, soumis 67 sous pas Joe Biden, il va mettre sous pas Trump là. Trump va presque, on le fait encore égalité avec. Donc, quelque part, nous t'en c'est Arizona, c'est Pennsylvanie, c'est Michigan, avec Wisconsin. Et Wisconsin, Donald Trump. Et Wisconsin et Pennsylvanie. Pour les comptes.
jusqu'à vendredi. Vous comptez. Mais si il y a un certain nombre de collèges qui sont tellement importants et que quand on parle, il n'y a pas tellement important, et comme si c'était. Il n'y a pas pour la forme. Il n'y a pas compté pour la forme. Oui. Mais il y a des états qui sont tellement importants, ou pas qu'à dire, on ne va pas compter pour la forme. Parce que quand il y a un candidat opposé, il doit lui-même mener la justice. Parce que lui juger que vous n'avez pas un résultat qui n'est pas correct. Parce qu'avant, il y a un monté fait un compte. Bien, ça va, vraiment. Bon, alors, maintenant, dernier baril, moi, on dit que vous avez très près, puis les gars, sont où dit. Non, il n'y a pas de nouveau, non. Et moi, nous ne va parler du Sénat même, mais il semble que. Une question pour le Sénat? Non. Chambre représentante. Donc, 4 votes, 4 sièges. Le Parti démocrate a des besoins, la plus très difficile, on peut pouvoir écouter le mal senti. Son statut quoi, tu as carré? Par exemple, des personnes dans ta colline, c'est grave, tu as perdu l'élection. Pourtant, il s'est fait une personne. Mais tu m'as quand même pas qu'à perdre, puisque comme le compagnon, c'est un monsieur excessivement populaire, la Cali. Même dépenser l'INSEE, tu n'as pas perdu. Le conseil général Obama, que la démocratie pense que des candidats, il a perdu. Il avait dit quelque part, il a dit, parce que vraiment, pensez même qu'il m'a perdu. Pour que je dis, après que je vois tous les débats, je vous compte que l'autre là, c'est lui-même qui. Jimmy Harrison. Et puis pour je dis, tous les anciens, parce que moi, je me pensé d'avoir un référendum, que tout ancien, 30, 40 ans, sénateur, député, mais vous remarquez, le pouvoir reste de même. Oui. En d'autres termes, pas changer. Bon, nous on a dit ça, mais... Plus que ça change, plus que ça reste. C'est la même chose. Ouais. Oui. On a des prévisions là. Non, il y a une prévision, non. Ah, il y a une prévision. Bon, alors, un dernier round, ça ne va pas, c'est... Bon, quand tu es en Haïti, peut-être là, il y a pour ton dernier bail. Pour nous, qu'à Haïti, il y a un petit bien passé. Bon, tu es en Haïti, allô, bonsoir. Ok, merci Haïti, merci auditeur Haïti. Donc on est nous connecter avec Haïti là, vous avez suivi de près. Nous avons demandé si vous avez Haïti qui a suivi nous toujours, si tout le monde a le vie, si vous avez du lien. Dieu que Joe Biden est président des États-Unis, d'Haïti, des États-Unis seulement, il va gagner Haïti là-dedans, les États-Unis vont gagner Haïti là-dedans. Parce que si vous avez besoin, qui ça Joe Biden a pu faire, est-ce qu'il n'a pas fait votre café pour nous? Mais quand même, non-sens, mais quand même, non-sens, nous ne sommes pas couilles sur le bail en Haïti. Par exemple, maintenant, tu es au Kounia là, et que vous avez tout le monde qui est bien sûr, avec Donald Trump, vous connaissez que quand même, il va avoir une chance, vous avez c'est comme ça que vous comprenez. Souvent, Joe Biden qui passe là, donc il est capable d'avoir une possibilité pour revenir, des bails comme ça. Mais il n'y a pas de réflexion directe sur nous en Haïti. Quand même, c'est des mondes qui ont des mondes en Haïti qui sont sur le côté. Mais quand même, l'élection a lui-même un impact sur des pays. C'est Joe Biden qui a terminé pour le faire pour nous, pour les États-Unis. C'est pour nous dégager le faire pour nous.
même nous allons jouer. C'est pour nous en Haïti. C'est la peine. Parce que nous allons jouer à même à Haïti. Je veux dire, il y a des grippes, il y a la fièvre. Oui, définitivement. Je pourrais nous jouer directement. Parce que je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de bagaille. Pour moi-même. Je travaille même pour m'aider mon en Haïti. Même pas de bagaille, monsieur. Si je fais au moins 15 à 20 émissions en Haïti, d'ailleurs, je vais faire un bagaille. Je demande à mon texte. Texte sur WhatsApp moi pour dire pour poser une question sur Haïti. Monsieur, comme si nous, sur chaque 10 textes, nous avons au moins 8 qui disent si Joe Biden va passer, ça l'a fait pour Haïti. Toute réponse, c'était il y a président. États-Unis va présider Haïti. Donc soit battant nous. Bon dit Harry qui est en Haïti. Allô, bonsoir Haïti, ma pteudo. Allô, bonsoir. Haïti, ma pteudo. Allô? Je vous dis, mais d'un moment après, quand on est là, il y a quelque chose qui va président. Deuxièmement, encore, il n'y a pas de civilisation. Nous avons une civilité, bon chose pour Joe Biden passer encore. Et deux groupes forts, Joe Biden va bien finir là. Il y a un pouvoir déjà, parce qu'il passe dans le pouvoir déjà là, il y a un salbaille. Deuxièmement, encore, une civilisation, Joe Biden, toute civilité va finir. C'est donc une possibilité, ça va pour Joe Biden gagner une élection. Je dis que Joe Biden peut-être que je ne suis pas sûr. Il y a qui dit que Donald Trump a gagné l'élection, il n'y a pas de finir. Il n'y a pas de résultat. Donc, nous n'avons pas décidé nous-mêmes, la Radio Méga, que Donald Trump a gagné ou soit Joe Biden a gagné. Ça n'a pas gagné, ça nous a pensé qu'il n'a pas passé. Projection que nous avons fait pour les choses, hein, tout le monde a compris que c'était rademarrer que peut-être Joe Biden n'a pas le fait, vu politique, Donald Trump l'a pile critique, pas simplement aux États-Unis, un peu partout, à travers le monde, nous avons dit. Donc c'est ça, nous avons pensé, mais pas les gens qui connaissent qui est ce qui gagne, puisque le résultat n'a pas compris. Et les chiens pour finir, comptez nous dire toujours. Conseil électoral, provisoire États-Unis, pour qu'on ait un résultat. Donc, baka, c'est le même dire tout d'un seul. Allez, si, bien. Alors, ça parle de CIPI américain. Oui, CIPI, conseil électoral provisoire, peut pas dans l'État-Unis, pourquoi pas dit. Et pourquoi pas dit, pourquoi pas dit. Donc, là, me dit tout le monde qu'elle est vite dormie, et puis, si tu as tenu compte vraiment, et tout le monde vrai, si tu as tenu compte vraiment de Jean-Moi Balala, et si vraiment il y a des États, et pas si vraiment il y a des États demandés, ils ont prolongé pour qu'ils aient compté, mais ils ont écrit à Ottawa. Soit regardez sous librement, à moins de un côté, on comme si t'as un gros écart, on pense que nous attendons deux ou trois jours avant le résultat vraiment. En tout cas, il est très possible que Assoué n'a pas de résultat. Il n'est pas impossible, non, mais il est très possible tout que le résultat. Alors, si nous avons des résultats, nous devons dire nous-mêmes. La radio Méga, qui est-ce qui gagne l'élection? Si nous avons par exemple, résultat Arizona, Pennsylvanie, Milwaukee, avec Wisconsin, définitivement, nous avons dit. C'est Michigan, alors. Michigan, pardon, avec Wisconsin, nous avons dit que. C'est l'État Sayo qui peut déterminer l'élection. C'est l'État Sayo, c'est eux qui gagnent. Dernier, nous avons dit qu'il y a un résultat à la mer. Donc, tant que nous n'avons pas un résultat 4 états, nous n'avons pas dit nous-mêmes qui est-ce qui gagne. Oui, parce que définitivement, nous avons plus de chance pour gagner en Floride. Il y a un balai. Trump, pardon. Plus de 93% de voitures qui ont été comptées, et puis le résultat qui a sorti dans le nord. Et ah, non, mais résultat, donc, c'est pas réjouissant pour l'équipe de Joe Biden. Oui. Alors, maintenant, eh bien, nous venons en boucle. Ça va passer. Yves, ça va passer. Allô? Allô, oui. En attendant, pour nous voir ça passer, évidemment, si des potes vont passer, et n'a toujours mangé quand nous pour nous faire résultat. Mais c'est rien, la prend faire la cognon, peut-être, monsieur Sandy.
Bon, j'en ai regardé là, élection a continué dans le pays des États-Unis, mais il faut que moi dis nous que tout le monde doit être sous bouche parce que
et yo pas attendre que t'a gagne Trump t'a fait toute ça le fait là jodi dans élection et nous capable dit même gens nous nous peuple on parti dans peuple haïtien hein? Et deux fois gagne des gars plus remet yo pas juste remet moun nan pour résultat mais remet pour et façon le parler façon que li réagit sous peuple là et me pense c'est ça et si n'a regardé et quelques chiffres ensemble avec nous bam permettre nous quelques chiffres avant que moi même ferme et nous capable garder là côté Donald Trump lui même li gagne yo mais jusqu'à présent c'est pas parce que n'a pas dit Donald Trump gagne élection nous encore été là pour nous suivre et nous n'a regardé et nous capable garder sur écran m'a montré nous directement comment et vote là lui-même l'a déroulé et c'est regardé là Washington tout ça aussi Biden regardé California Biden tout ça California toujours OK Arizona Biden mais qui pas au grand écart n'a pas gardé Nouveau Mexique Biden n'a pas gardé Colorado c'est toujours Biden qui gagne là n'a pas allé Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe? Comme si moi. Ok. Voilà. T'as un petit problème technique. Idaho, c'est Donald Trump. Ou même c'est Donald Trump toujours qui gagne. Utah, c'est Donald Trump qui gagne. Dakota du Nord, c'est toujours Donald Trump, mais il faut pas dire que je ne parle pas trop et parler anglais. Et depuis nous garder l'écran seulement, on a pour eux. Et tout côté, Trump avec Donald Trump, il a dominé. C'est étonnant parce que personne n'a pas pensé. Et tout le monde t'a pensé à soi. Et Biden t'a prêt font boucher avec Donald Trump, mais malheureusement, nous sommes capables de dire malheureusement, ce n'est pas ça qui passe vraiment. Bon, nous gardons toujours Donald Trump, il a bien frappé. Voilà. Jusqu'à présent, Trump a bien passé. C'est ça qui est là. Politique là. Politique là, c'est ça. Man. C'est ça, c'est bataille, c'est goumet pour gagner. Hein? Pas besoin de tout le monde pour ça. Même j'ai avec la Kaino Haïti, le monde préféré. Et une seule façon pour le gagner, c'est si le sou pas vivre encore. De vous pas vivre encore, ça veut dire pour le gagner. Mais c'est pas ça. Ça veut dire polémique. Mais côté qu'a fait politique là, n'a pas suivre. C'est poignette, mettez, prends la rue, fais campagne, mettez peuple en confiance, c'est ça. Ok. Illinois, ce Biden qui gagne là. Voilà. Bon, c'est absolument ensemble avec moi. N'a passé pour nous, n'a gardé pour nous toujours. Qui Jean élection lui-même l'a déroulé. Bref. Moi, c'est un commentaire. Bon, parce que si nous apprêté pour nous suivre ensemble avec nous toujours, et nous capables écrit dans commentaire ou bien si nous envie nous pas envie encore et puis m'a juste aller m'a aller
a fermé live là et puis des matins avec le résultat et nous pour dire ou dis-moi si gagne un monde qui veut bah commenter parle nous capable reler moi et WhatsApp 51